辛坊さん、日本の皆さん、こんにちは。画家の三浦あんこです。コロナ禍のフランスの今をお伝えするべく、辛坊さんのラジオでお話しさせていただいたことをきっかけに、隔週で動画を配信するようになってから、今回で34回目です。過去作品を見てみると、不穏なニュースや目まぐるしく変わる世界情勢の中、変わらない風景や穏やかな日常も振り返ることができました。今回も変わらぬ日常の一コマをお見せできるのではないかと思っております。Vous êtes prêt? On y va!うわー、たくさんのお惣菜が並んでいますね。どれも美味しそう。Alors aujourd'hui, je vais prendre plutôt. Monsieur, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un monsieur qui est le chien. D'accord. Ça, c'est bon ça. Donc, je vais prendre ça avec du. Peut-être. Ça, c'est des. Ça, c'est des 4 légumes dedans, les 5 légumes là-bas. Ah, c'est bien pour le faire de bonne santé. Voilà. D'accord. Donc, je vais prendre ça et ça, s'il vous plaît. Ouais. Vous voulez une marquette pour 4 aussi? Oui. Ah, oui, c'est trop bien ça. Une marquette dans chaque ou je mélange les deux? Mélanger tout, c'est bien. Ah, ça est bon déjà. Et ensuite... Ah, le jambon à l'œuf que vous aimez bien. Vous. Oui. À la fourchette. Le jambon à l'œuf, combien de tranches je voulais? Oui, j'aimerais bien de 4 tranches, s'il vous plaît. De chiffonnade, c'est possible?Alors, c'est mieux dans cette gamme-là, normalement. D'accord, oui, mais... Je vais vous la faire pour vous. Parce que vous avez la technique. さて、美味しそうなお惣菜も手に入れたことですし、いつものように今からはアーティストのアトリエとお邪魔していきましょう。今回は私たちのよく知るあれをとても崇高に描く画家セルジュのところへとお邪魔していきます。アロンジー。ココセルジュ。ボンジューナ、サバ。トレビアン。セルジュ、トラバニノ。オペ。Est-ce que je peux présenter à ton atelier, à ton travail au Japon? Bien sûr. Ah, merci. Bienvenue au Japon. あえて日常にあふれるものを擬人化し、美化することを選んだセルジュ。現在、私たちが毎日目にするものを描くことに夢中だと語ります。あなたの仕事のコンセプトを教えてください。Eh bien, mon leitmotiv, c'est la bouteille d'eau, la bouteille d'eau en plastique. J'ai voulu travailler ce... Allez, coupez, deuxième. Attends, je vais voir un coup. あなたの仕事のコンセプトを教えてください。Mon leitmotiv est la bouteille d'eau.La bouteille d'eau en plastique. J'aime particulièrement cet objet parce qu'il regroupe toutes les difficultés qu'on peut rencontrer en peinture à l'huile, c'est-à-dire le dessin, la lumière, la transparence. Et puis une bouteille d'eau n'a rien à faire sur une toile. C'est peut-être le dernier endroit où il n'y avait pas encore de bouteille d'eau. Et en cela, ça devient intéressant. Mes bouteilles d'eau, en fait, je les déforme, je les froisse.Pour leur permettre d'avoir des formes humaines. Et du coup, je revisite des œuvres d'art.
Par exemple, ici, nous sommes devant la scène de Léonard de Vinci. C'était bien, hein? Tu as bien expliqué. Attention. Attends. Bonjour Monsieur Shimbo-san. Bonjour le Japon. Je suis particulièrement fier de vous accueillir dans mon atelier. J'aime particulièrement le Japon parce que c'est le pays où j'ai le plus exposé. J'ai à peu près 5 ou 6 toiles qui sont parties au Japon, à Tokyo, à Osaka, à Kyoto. Et c'est vraiment un honneur de vous accueillir ici. Je n'ai pas eu l'honneur encore de venir chez vous, mais il ne serait tardé car à chaque fois, l'accueil que vous me faites à mon travail est exceptionnel. Donc je vous remercie et je vous dis vraiment à très bientôt. セルジュにとってこのペットボトルとは何を意味するのか。彼は静かにこう語ってくれました。水は僕たちには必要不可欠な存在だよね。命の源だし清らかさの象徴でもあるけれど、世界ではますます不足している。そしてそれを保存するペットボトル、つまりプラスチックはとても便利だし、水だけでなくいろんなものを保存するための道具としてとても重宝されているけれど、同時にゴミとして地球や生き物を破壊している大きな問題の一つだよね。良いことの横には悪いことがある。悪い面だけでなく、その横には良い面も見つけられる。私たちが今世界で起きているすべての出来事に、さまざまな角度から向き合わないといけない。改めて気づかされる彼との会話でした。今回も最後までご視聴していただき本当にありがとうございました。画家の情報は概要欄からぜひぜひチェックしてみてくださいね。コメントやいいねをくださる皆様、とっても励みになっております。重ねてありがとうございます。次回もまたパリの今の様子と個性豊かなアーティストのアトリエをご紹介できればと思っております。また一緒にのんびりお散歩をしましょう。アビアントー。第6回目の動画でインタビューに答えてくれたダビが手伝いに来てくれました。